Modric, vainqueur de la C1 pour la troisième fois d'affilée et finaliste du mondial avec la Croatie cette année, a devancé Ronaldo, son ancien coéquipier transféré à la Juventus Turin cet été, et Mohamed Salah, l'avant-centre égyptien de Liverpool. Le classement de ce prix est déterminé par un jury comprenant 80 entraîneurs de clubs ayant participé aux phases de groupe de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, ainsi que 55 journalistes représentant chacune des nations de l'UEFA.